Alaska est un premier roman qui déconstruit la réalité pour ouvrir à tous les possibles. Le lecteur expérimente un savoir ancien, une connaissance qui se perd, devient ce que tu es. C'est un voyage à la rencontre d'hommes improbables, un Inuit philosophe, un Indien légendaire, un pirate d'aujourd'hui et un homme qui ne se soucie que du temps qu'il fait. Une femme, Léa, résiste. Un homme, Nata, oublie puis se souvient. Il y a une ardoise quelque part et un nom est inscrit dessus. Il y a un magnétophone dans le tiroir de la vieille commode, celle en noyer dans la chambre du fond. Et à l'intérieur, une cassette raconte une histoire de la guerre à la libération. Les temps passés résonnent au quotidien et les choses de la vie s'agencent différemment, toujours avec perfection.